Chers amis, bonjour. J'ai pensé très très fort à vous. On va parler de compère Loriot. Figurez-vous que j'ai un œil rouge, là. Et donc ça m'a inspiré des choses. Non, non, ça n'est pas un compère Loriot. Non, 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 c'est juste un œil rouge. Un œil rouge comme irrité. Un œil rouge comme une colère. Ça m'a pris il y a quelques jours, en regardant mon si joli faciès devant mon miroir. Je venais d'apprendre que Macron envisageait de donner quelques miettes de RSA contre une vingtaine d'heures de travail, juste histoire de réinventer une nouvelle forme d'esclavage moderne. C'est curieux quand même. Ma chatte, qui s'appelle Jolie Petite Demoiselle, l'a bien nommée, s'est pris un vilain coup de patte il y a quelques semaines et s'était trouvé l'œil irrité, infecté. Alors mon corps m'a dit « Mais moi je fais pareil, je suis très mécontente, je suis très mécontente parce que c'est mon corps, de ce postulant rempileur de président Macron, alors je vais faire comme Jolie Petite Demoiselle, je vais montrer la colère, rouge de chez rouge, par cet œil et toc !» Non, non, mais c'est pas un compère Loriot, non, non, c'est juste un œil rouge comme irrité, un œil rouge comme une colère. C'est curieux comme nom quand même, compère Loriot. Qu'on se rassure, hein, c'est pas ce que j'ai. Je n'ai aucune douleur, aucune irritation, juste l'œil rouge. Je suis passée voir l'ophtalmo, il n'y a rien de grave. Mais ce compère Loriot, donc, c'est ce qui avait menacé une certaine Marine Le Pen, prise d'une migraine ophtalmique pour la fameuse soirée où elle s'était couverte de ridicule face à Macron, à ricaner non pas comme un Loriot qui est un oiseau, mais comme une dinde. Au fait, j'en ai appris une belle. Dans l'hypothèse où cette fois elle arriverait comme présidente de la République à l'Élysée, elle n'aurait pas de chien, mais uniquement sa famille de chats. Car elle élève des chats, figurez-vous. Elle risque d'y être infiniment plus compétente qu'elle n'est en politique. Non, non, mais c'est pas un compère Loriot. Non, 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 c'est juste un œil rouge. Un œil rouge comme irrité. Un œil rouge comme une colère. À l'Élysée, vous dis-je, on travaille sur le sujet, soyez sans crainte. Le Pen out. Macron out. Hashtag les deux out. D'accord? Ne pas oublier ça. Alors ça a fait rigoler tout le monde quand j'ai fait ça au premier tour, la dernière fois, quand Macron a été élu, mais n'empêche que ça a marché. Voilà. Donc il faut refaire cette année. Oui, j'ai beaucoup ri quand j'ai appris ça, qu'elle apporterait sa famille de chats à l'Élysée. Car les chats sont réputés chasser les oiseaux. Or, symboliquement, les oiseaux représentent les artistes et donc la culture. On sait quel problème il existe aujourd'hui à faire cohabiter tous les mouvements d'extrême droite avec la notion même de culture. Voir Poutine, ce que ça donne. D'accord? Non, non, mais c'est pas un compère Loriot. Hein. C'est juste un œil rouge. Un œil rouge comme irrité, un œil rouge comme une colère. Ce soir, Yvetot vient chanter un certain San Severino. Il reste de la place, beaucoup de place même. Et puisqu'on parle rouge, la couleur, je vous recommande la chanson qu'il a écrite il y a déjà pas mal d'années, juste à côté de La voisine des oiseaux, précisément. Je vais mettre le lien. Je dois reconnaître qu'avec la guerre qui frappe aujourd'hui aux portes de l'Europe, que ce soit par le texte ou que ce soit par les sonorités tziganes, elle tombe comme un cheveu sur la soupe de Poutine. Pour la petite histoire, une soupe russe, ça s'appelle un bortch. Moi, je serai ce soir à Yvetot. Oui, j'arrive à cligner avec mon œil. Je vous dis que j'ai l'œil rouge. Non, mais c'est rien de grave. Hein. Pas de panique. Hein. Pas de panique. C'est pas grave.